Donc, quand j'entends des gens dire que oui, c'est parce que tu es en Europe que tu t'en sors, tu peux parler, ça n'a rien à voir. Parce qu'en Europe, il y a des Africains qui s'en sortent et des Africains qui ne s'en sortent pas. En Europe, il y a des Européens qui s'en sortent et des Européens qui ne s'en sortent pas. En Afrique, il y a des Africains qui s'en sortent et des Africains qui ne s'en sortent pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'endroit où tu te trouves qui est le plus déterminant, mais c'est d'abord la personne que tu es. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Comme je te le disais précédemment, moi je suis de ceux-là qui pensent que on ne doit pas avoir pitié des pauvres. Je sais que dit comme ça, mon propos peut être choquant, mais je te garantis que, après mûre réflexion, je suis de plus en plus en accord avec ce principe-là. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes d'où ceci part. Tu sais, j'ai une amie au pays qui chaque fois se plaint du fait qu'elle galère, ça ne va pas. Bref, on n'a pas de chance. Les gens sont. Nous sommes en Europe, nous on a de la chance d'être en Europe, c'est pour ça qu'on a de l'argent. Enfin bref, et puis même quand on parle d'argent, on parle de quel argent? Donc récemment, elle a reçu de l'argent de quelqu'un que je connais très bien. Cette personne-là lui a envoyé de l'argent pour qu'elle lance elle-même son propre business. Sauf que qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent? Elle a bouffé tout l'argent et elle n'a jamais lancé son propre business. Quelques temps après, on lui a donné une deuxième chance. On lui a dit, ok, on veut bien comprendre que la première fois, ça n'allait pas trop. Bon, maintenant, voici, on te remet encore un deuxième capital de 250 000 francs. Maintenant, lance un autre business pour que tu puisses t'en sortir toi-même. Parce que t'envoyer l'argent tout le temps, ça ne va pas t'aider. Tu sais ce qu'on dit chez nous? Plutôt que de donner du poisson à quelqu'un, vaut mieux lui apprendre à pêcher. Donc, une fois de plus, on lui a remis une somme de 250 000 francs et elle n'a jamais mis en place son projet. Tout cet argent a été dilapidé. Il y a eu une troisième expérience. Une des membres de sa famille a voulu mettre en place une tontine sur place au Cameroun. Donc, elle a voulu que ce soit elle qui gère cette tontine-là. Et chaque mois, on lui envoyait de l'argent encore et encore. Malheureusement, une fois de plus, elle a bouffé tout cet argent. Elle n'a jamais inscrit la perle concernée dans la tontine. Donc bien sûr, quelques mois plus tard, le concerné a appelé pour savoir où est-ce que on en était par rapport à la tontine. Et bien sûr, elle a découvert le pot aux roses parce que la personne en question n'a jamais créé la tontine. Du coup, elle ne pouvait pas dire où se trouvait l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à s'excuser. Ouais, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'avais trop de problèmes. Bref, tout un tas d'excuses. Bref, tu vois le délire quoi. Tu vois, c'est à cause des gens comme ça que après on va commencer à dire que les gens qui sont dans la diaspora sont de mauvaises personnes alors qu'il n'en est rien. Ma personne, si tu vois quelqu'un dans sa vie qui galère, peut-être à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans, ne va pas chercher bien loin. Très souvent, elle est la seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Dieu, Allah, bref, peu importe comment tu peux l'appeler. Il y a quelqu'un là-haut qui est là, qui veille sur tout le monde. Et puisque chacun d'entre nous a forcément une mission sur Terre, donc, il arrive à un moment donné dans la vie de chaque être humain où on lui donne l'opportunité de pouvoir lui aussi tirer son épingle du jeu. Il arrive pour chacun d'entre nous un moment où on donne à chacun l'occasion de pouvoir lui aussi faire de l'argent et pouvoir sortir de la pauvreté. Malheureusement, les gens au petit esprit se limitent aux petites choses, alors que des choses beaucoup plus grandes sont derrière. Malheureusement, les personnes qui ne sont pas lucides passent complètement à côté de leur opportunité pour se retrouver à 60 ans, dire qu'ils n'ont pas eu de chance, pour dire que c'est parce qu'ils sont nés dans une famille pauvre, pour dire que non, en fait, c'est le coup du mauvais sort, la richesse, c'est Dieu qui donne. Non, je suis sûr que si tu réfléchis bien dans ta vie, tu verras qu'à un moment donné, tu as quand même eu une petite opportunité qui te permettait de créer quelque chose, forcément. Mais c'est juste que tu n'en as rien fait. Tu as été plus dispersé par des conneries. Je parle en connaissance de cause. J'ai un ami qui, à un moment donné, voulait présenter le concours d'entrée à l'INAM. Pour ceux qui ne connaissent pas l'INAM, l'INAM, c'est une école de magistrature supérieure. En général, quand tu sors de là au Cameroun, tu es sûr que dans le gouvernement, tu auras un poste très lucratif. Sauf que, comme on connaît ce que c'est le Cameroun, plus de 90% des personnes qui sont admises dans cette école-là
doivent payer une caution entre guillemets, pour ne pas dire ils doivent corrompre quoi. À cet ami-là, justement, il est allé voir sa tante qui vit en Europe et il a présenté la situation. Elle lui a remis une somme de 2 millions de francs CFA pour aller payer sa place, quoi. Voilà. Sauf que qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Il a bouffé tout cet argent. Bilan des courses, il n'a pas été admis dans cette école-là. Et aujourd'hui, il est au quartier, il se débrouille dans des petits boulots, hein, par-ci, par-là. Pourtant, il a un master 2. Pourtant, il a un master 2. Dans 10 ans, quand il aura 50 ans, ou 55 ans, ou 60 ans, ce sont les mêmes gens qui viendront dire « Ouais, je n'ai pas eu de chance dans ma vie. L'argent, c'est Dieu qui donne. Ouais, je suis né dans une famille pauvre, c'est pour ça que je ne m'en suis pas sorti. » Non, non. Si tu as 45 ans, tu as toujours les mêmes problèmes que tu avais lorsque tu avais 20 ans. Ce n'est pas la société le problème, c'est toi le problème. Et forcément, à un moment donné de ta vie, tu as une chance que tu n'as pas su saisir parce que tu étais distrait par des conneries. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand j'entends des gens dire que oui, c'est parce que tu es en Europe que tu t'en sors, tu peux parler, ça n'a rien à voir. Parce qu'en Europe, il y a des Africains qui s'en sortent et des Africains qui ne s'en sortent pas. En Europe, il y a des Européens qui s'en sortent et des Européens qui ne s'en sortent pas. En Afrique, il y a des Africains qui s'en sortent et des Africains qui ne s'en sortent pas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'endroit où tu te trouves qui est le plus déterminant, mais c'est d'abord la personne que tu es. C'est d'abord la personne que tu es. Donc, arrêtez d'accuser le gouvernement, arrêtez d'accuser les sorciers du village, arrêtez d'accuser vos familles. Arrêtez. Parce que si à 18 ans, tu peux encore accuser ta famille, quand tu auras 40 ans, tu ne pourras pas accuser ta famille, le gouvernement ou bien le sorcier du village. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un autour de toi qui a vécu les mêmes situations que toi, qui peut-être même a vécu pire que cette situation que toi, mais qui a réussi à s'en sortir. Donc ça veut dire que si cette personne a pu s'en sortir, toi aussi, si tu avais utilisé les bons outils, toi aussi, si tu n'avais pas été distrait, toi aussi, si tu avais été un peu plus lucide, tu aurais aussi bien pu tirer ton épingle du jeu. La vérité, c'est que personne ne veut finir pauvre. Mais les gens demeurent pauvres à cause des mauvais choix qu'ils prennent. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais aussi faire une petite capsule, une petite parenthèse sur les femmes. Parce que même pour les femmes, même en amour, ça se passe. Il y a forcément un moment donné dans ta vie où tu tombes sur une bonne personne. Chez les femmes, c'est pire. Parce que pour une femme qui sait en plus qu'elle est belle, en général, c'est grave. Tu vois une femme qui est belle à 45, elle va dire qu'elle n'est pas tombée sur la bonne personne. Non. Il y a forcément un homme qui est venu dans ta vie à un moment donné avec qui tu pouvais construire quelque chose de bien. Même pour les hommes, c'est pareil. Il y a forcément une fille qui est venue à un moment donné dans ta vie avec qui tu pouvais construire quelque chose de bien. Et toi-même, tu en étais conscient que ça, c'est la fille qui me correspond, ça, c'est l'homme qui me correspond. Mais c'est parce que tu étais distrait par autre chose. C'est parce qu'on t'a dit que tu es beau, que tu es belle, donc que si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Du coup, tu es devenu quelqu'un de capricieux. Et au lieu d'arranger les choses quand ça n'allait pas, tu as plutôt dit par orgueil que nous, on se sépare. C'est pour ça. Dans ma personne, je ne vais pas m'étaler plus longtemps parce que je pense que le message est passé. Dans ma personne, si cette petite capsule t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.